Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo d'une série sur les remèdes de grand-mère, les astuces d'autrefois, les astuces d'antan. Je me présente, je suis Fanny, animatrice radio et web TV depuis 2016. Donc sur ma web TV, la web TV de Fanny, vous me retrouvez généralement avec des invités que j'interview, des spécialistes dans le domaine de la santé naturelle, du développement personnel, de la spiritualité et du quantique. Et sur la radio, vous me retrouvez tous les mercredis matins dans la matinale Le Good Morning de 7h à 9h sur Top FM. Donc la fréquence est 88.6. Et pour ceux qui ne la captent pas, vous avez l'application téléchargée gratuitement qui s'appelle Top FM Bandole. Donc dans ces chroniques sur la radio, je parle de remèdes de grand-mère. Donc ma chronique s'appelle Les remèdes de Fanny. Et c'est pour ça que ça fait déjà 2 ans. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai envie de vous les transmettre, de vous les partager aussi en vidéo. Voilà, donc pour cette première vidéo, j'avais envie de vous parler parce que c'est quand même d'actualité. Nous sommes aux portes de l'hiver et il faut se préparer. Et pour se préparer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renforcer, entre autres, hein, bien sûr, il faut renforcer son système immunitaire. Donc dans cette vidéo, on va voir comment renforcer son système immunitaire. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il va falloir prévenir son corps des infections dues au virus et aux maladies. Alors bien sûr, le premier geste barrière à avoir, c'est dans son assiette. Déjà, faire attention à son alimentation. Et on va voir dans cette vidéo quels aliments vont être bons pour renforcer son système immunitaire et pourquoi. Et on va voir également quelques plantes. Alors, bien sûr, ce que je vais vous faire, c'est un peu un condensé. J'ai fait une sélection parce qu'il y a des tas de choses pour renforcer son système immunitaire. Il faudrait faire une vidéo très longue et j'ai choisi de faire des vidéos quand même un peu plus raisonnables, un peu plus courtes. Donc, j'ai fait une sélection et comme sur la radio, j'aime bien aussi parler de plantes qu'on ne connaît pas forcément. Voilà, qui sont pas communes, on va dire. Donc la première dont j'ai envie de vous partager, bon celle-là elle est quand même connue pour ceux qui s'y intéressent évidemment. La première plante que j'ai envie de vous parler pour renforcer son système immunitaire, c'est l'échinacée. Alors l'échinacée, c'est une plante qui est utilisée chez les Amérindiens, qui est à utiliser soit en prévention, soit lors des premiers symptômes. Alors quand je parle de prévention, c'est bien de faire des cures qui vont durer 2-3 semaines. Et quand vous faites une cure, il faut toujours faire une pause de plusieurs semaines. Pour en recommencer les cures, c'est bien d'en faire 2-3 fois dans l'année. Voilà, donc pour les premiers symptômes, vous pouvez l'utiliser, l'échinacée, pour lutter contre les rhumes, contre les otites, les infections ORL, c'est-à-dire les angines, les laryngites et les pharyngites, et pour les sinusites également. Alors l'échinacée se trouve soit en gélule, ce qui est peut-être plus facile à prendre pour certains d'entre nous, ou alors vous pouvez aussi en magasin bio ou chez les herboristes les trouver en plantes séchées pour faire des infusions. Voilà. Ce que je voulais aussi préciser, c'est que bien sûr, l'utilisation des plantes, des produits naturels ne sont pas anodins. Donc si vous avez une pathologie, si vous prenez des médicaments, surtout d'abord demandez conseil à votre médecin pour voir si ça ne va pas à l'encontre des médicaments que vous prenez ou de votre pathologie, puisque ça peut faire vraiment des effets inverses, des effets contraires et très graves. Donc toujours demander l'avis de son médecin traitant. Et si les symptômes persistent, bien sûr d'aller voir son médecin. Il ne faut pas traîner et s'obstiner à ne prendre que des plantes. Voilà. Les plantes sont bonnes vraiment soit en prévention, soit si ce sont des symptômes légers. Voilà. Donc ça, c'était important pour moi de le préciser. Ensuite, bien sûr, pour renforcer son système immunitaire, vous avez la vitamine C, qui est l'antiviral le plus efficace. On le trouve dans les fruits. Alors, quels sont les fruits à consommer et qui sont riches en vitamine C? Alors, vous pouvez les consommer en frais, les fruits frais, ou les faire en jus avec une centrifugeuse, par exemple. Alors, vous avez également donc les clémentines, les citrons, les oranges, les pamplemousses, les kiwis et tous les fruits rouges comme le cassis par exemple. Ensuite, dans les légumes également, vous avez de la vitamine C dans le poivron. Alors, consommez le poivron cru de préférence, les navets, les épinards et les choux verts. Alors bien sûr, il y a d'autres légumes qui en contiennent, mais je vous ai fait une sélection.
Ensuite, vous avez également une autre vitamine qui est très intéressante et dont on ne parle pas, je trouve, très souvent. C'est le zinc. Alors, le zinc, il est vraiment très important pour renforcer son immunité. Et on les trouve dans les aliments qui sont riches en protéines, alors comme les huîtres, les germes de blé, le foie de veau. Bon, ça, c'est sûr, je suis d'accord avec vous, il faut aimer le foie de veau. Dans les graines de courge, que vous allez faire griller au four ou à la poêle, dans le crabe, dans les lentilles. Et également, alors j'étais étonnée de voir ça aussi, mais dans les morceaux, vous savez, de bœuf, les morceaux qu'on utilise pour faire en ragoût, comme dans un pot-au-feu ou en daube. Voilà, donc ce sont les aliments riches en protéines où vous allez retrouver le zinc. Et également un autre produit naturel qui s'appelle la griffe de chat va vous permettre de renforcer votre système immunitaire. Alors, c'est quoi la griffe de chat en fait? C'est une liane ligneuse qui est une plante en fait grimpante qui s'accroche aux arbres et qu'on retrouve beaucoup dans les forêts humides d'Amazonie comme le Pérou, le Guatemala et le Costa Rica. Alors, des études ont montré que cette plante va aider l'organisme à combattre les infections car elle est anti-inflammatoire, antioxydante et elle est immunostimulante. Alors attention, cette plante en revanche est déconseillée aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes et aux personnes qui ont des maladies auto-immunes. Alors, c'est à prendre une cuillère à café par jour que vous diluez dans une boisson telle que le thé ou un jus de fruits et à prendre juste après votre repas. Voilà, et puis alors la petite astuce quand même, allez, du jour, parce que je vous aime bien, la griffe de chat, elle est aussi très bonne apparemment pour les peaux matures. Alors c'est un super anti-âge grâce à ses propriétés antioxydantes. Alors comment faire? Vous allez faire mettre dans une casserole 50 cl d'eau. Vous allez ajouter 2 cuillères à soupe de poudre de griffe de chat. Vous allez faire bouillir et laisser frémir 5 à 10 minutes à feu doux. Et hors du feu, vous allez infuser 15 minutes. Et une fois que la préparation est bien refroidie, sur le visage, vous allez mettre cette préparation que vous aurez laissé imbiber dans un linge propre ou une compresse. Voilà, la compresse est le plus simple. Et vous allez donc mettre ça sur votre visage. Et puis après, vous allez rincer. Voilà. Voilà la petite astuce avec le griffe de chat. Mais bien sûr, les soins du visage fera aussi bien l'objet d'une autre vidéo dans quelques temps. Voilà. Donc, voilà pour cette première vidéo sur comment renforcer son système immunitaire. La prochaine vidéo sera sur les produits naturels à avoir dans sa pharmacie naturelle à la maison pour se préparer à l'hiver, mais aussi des produits, vous verrez, qu'on aura besoin toute l'année finalement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez, mettez en commentaire si ce type de sujet vous plaît. Moi, c'est une passion, je le fais tous les mercredis à la radio. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi le, comme ça je continue ou pas dans ce type de vidéo. Et surtout pensez à liker, à partager à vos amis, à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour être averti des sorties des nouvelles vidéos. Voilà, donc vous pouvez aussi retrouver la Web TV de Fanny, ma page Facebook ou sur Instagram. Et j'ai également une page sur Facebook qui s'appelle Les Remèdes de Fanny, sur laquelle chaque semaine je mets par écrit quelques recettes que je donne dans mes chroniques du mercredi. Voilà. Bien, écoutez, merci beaucoup. Je vous dis à très vite pour d'autres astuces d'autres fois. Je vous embrasse et puis surtout, prenez bien soin de vous.